Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Asus. Il s'agit du XG349C, un écran qui se retrouve dans les alentours de 1100 € et qui va présenter une dalle IPS de 34 pouces avec une définition de 3440 par 1440 pixels, c'est-à-dire UWQHD. Il est capable de monter jusqu'à 180 Hz, alors en overclocking. De base, on est à 144 Hz et ce, avec une technologie de chez Nvidia, le G-Sync compatible. Ça veut dire qu'on va aussi l'avoir pour les cartes AMD. On est sur un écran IPS, donc du coup avec un taux de contraste 2000:1. On a une luminance de 400 nits maximum et il affiche 1,07 milliard de couleurs capable de couvrir 98% de l'espace colorimétrique DCI P3. Il est aussi livré avec un calibrage d'usine certifiant un delta E inférieur à 2 et on a également un temps de réponse de 1 milliseconde en gris à gris. Alors, est-ce qu'il est bien ou pas? Ça, vous aurez le test écrit dans pas longtemps sur Cocotteland et en attendant, on va faire place à la présentation. Sur le devant, comme d'habitude, on n'a pas forcément grand chose à dire. On a un design borderless sur les trois côtés, une large bande avec un effet un peu brossé, l'œil de rogue en chromé, l'écran est réglable en hauteur et en rotation ainsi que en inclinaison. Je vous montre la rotation aussi. En dessous, on a une base en fer avec des détails en plastique brillant et un trou pour faire le câble management. Alors sur le derrière, on a un carénage entièrement bombé en noir mat. La colonne reprend exactement le même design. On a le logo en rouge Republic of Gamer et au-dessus, sur le carénage, on a le logo Asus ressortant en brillant. Derrière, ici, on a un cache-câble clipsé et toujours un petit peu galère à enlever et à remettre. On n'est pas sur les aimants de certains écrans. Derrière, on a la connectique avec un HDMI, un DisplayPort, un Type-C. De l'autre côté, on a un port USB. On en a un autre sur le tranchant bas ici. De l'autre côté, on a le joystick de navigation dans l'OSD. L'OSD se gère avec un bouton, un joystick de navigation et deux autres boutons. Une première fois, on a droit à plusieurs raccourcis avec les différents mouvements et donc du coup les différents raccourcis. On a le menu, le power off, on a le volume, le game plus, le game visual et bien sûr la fermeture. On va pouvoir aussi choisir la source avec un bouton et le bouton power de l'autre côté. Quand on clique sur le joystick, on a le menu complet en noir avec des écritures blanches. On a la page gaming avec l'overclocking, le variable OD, la data sync, le LMB sync, le game plus, le game visual et le shadow boost. En image, on a tous les réglages pour l'image, donc du coup avec la luminosité, le contraste, la DR, le Vivid Pixel, le Dynamic Dimming, la SCR, l'aspect contrôle, le Blue Light Filter. Ensuite, au niveau des couleurs, comme d'habitude, température couleur avec le froid, le chaud, le normal et le User Mode qui va reprendre les réglages rouge, vert et bleu. On a le gamma et on a la saturation. On a la source, donc l'HDMI, le DisplayPort et le Type-C. On a le PIB, PBP pour pouvoir gérer deux ordinateurs à l'aide du même écran. On a le Lighting Effet, Aura Sync, Aura RGB. Alors du coup, pour l'instant, on n'a pas trouvé la zone RGB. À mon avis, il est dedans par défaut, mais toujours pas de, j'ai pas vu de RGB sur cet écran, donc on a l'option mais pas de lumière. Bref, My Favorite avec les réglages préenregistrés à vous, donc déjà les raccourcis pour chaque mouvement. On a Game Plus, Game Visual, luminosité, contraste, PIB, PBP, la source, l'HDR, le bleu faible, la température couleur, le volume, le KVM, puisque cet écran gère le KVM. On va pouvoir brancher un combo clavier souris et gérer deux PC différents avec ce même combo clavier souris. Et bien sûr, My Favorite 1 et 2. Customize and setting, là ça va être les différentes options à enregistrer dans deux emplacements différents. Donc du coup, vous allez pouvoir changer rapidement de pré-réglage et qui seront les vôtres, et bien sûr le système setup avec la langue, le son, l'USB, le power indicator, le power keylock, le keylock, l'OSD setup, le display port stream, l'information et bien sûr la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le XG349C de chez Asus ROG, Republic of Gamer, écran qui se retrouve aux alentours de 1100 €. Et c'est un écran qui va être extrêmement réactif grâce à ses 180 Hz, mais aussi avec des artefacts plutôt réduits grâce au LMB Sync. On a également les 1 seconde de
enfin 1 milliseconde de temps de réponse qui permet d'éviter tous ces artefacts. Bref, tout est fait pour le jeu, le FPS brutal, avec aussi un panorama qui est plutôt large et qui ajoute de l'immersion à cet écran. Par contre, même s'il est, on va dire, calibré d'usine, dans un certain mode, c'est que dans ce mode-là, et le reste va être un petit peu laissé à l'abandon, et on va avoir des couleurs un petit peu moins bonnes par rapport à la concurrence, et on trouve que pour 1100€, ça reste encore relativement cher pour cet écran qui est uniquement G-Sync compatible, bien que validé par Nvidia. Donc on a quand même une bonne fluidité, une bonne image et tout ça, mais pour les professionnels de l'image, ça va être un petit peu encore en retrait par rapport à la concurrence. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.